Bonjour les vierges, j'ai 100 personnes abonnées. Concours! Donc, si quelqu'un veut, si vous voulez gagner une séance privée avec moi, la diseuse de Panfantine, je vais parler des règlements à la fin du vidéo. Mais voilà, on va commencer par un message de vos guides. C'est presque à sonner. OK? Ouais. Page de Pentacle. Sentez très petit par rapport à un roi, roi d'épée. Oh, c'est destiné. Oh, ouais, haute fortune. C'est comme si vous avez travaillé pour avoir cette relation-là dans votre vie, ou pour améliorer la relation dans votre vie. Oh, ouais. Ça peut être amoureux, mais c'est pas mon sentiment. C'est comme pas mon feeling, pantoute. J'ai l'impression qu'en ce moment, je parle à quelqu'un. Page de Pentacle. Page de Pentacle, d'habitude, c'est comme une occasion très terre à terre. Très. Terre à terre. C'est un signe de terre, gadon. Mais, je veux dire, par rapport au roi. Ah, au roi d'épée. J'ai l'impression que c'est comme un parent. C'est comme si vous êtes sous l'emprise, sous le pouce d'un parent. Roi d'épée, c'est quelqu'un de froid, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou quelqu'un qui utilise ses mots pour couper. Ouais, c'est vraiment ça. Puis la roue de la destinée, là, j'ai l'impression, c'est comme des contrats d'âme. C'est comme si vous n'avez pas le choix de vivre ça parce que c'est quelqu'un dans votre entourage, ça fait peur. Figure paternelle dans votre famille de sang, famille de sang. Et 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, c'est-à-dire, c'est du travail acharné. Vous n'êtes pas capable de vous entendre. Ça va pas bien. Ça va pas bien, les deux. Vous êtes toujours en train de vous astiner, puis vous devez être ensemble, vous devez vivre ensemble. Il y a vraiment une connexion terrestre. C'est ça. C'est pas facile, parce que vous voyez pas les choses de la même manière. C'est quelqu'un, comme je dis, de très froid, très peut-être au-dessus de qu'est-ce que vous regardez. Puis vous regardez vraiment les choses pratiques. Vous regardez vraiment tout ce qui est, je veux pas dire que vous êtes matérialiste, mais tout ce qui est matériel par rapport à comment vous vivez, par rapport à votre emploi, par rapport à qui sont les personnes dans votre vie, tout ce qui est vie 3D, là. C'est comme si ça faisait pas son affaire. C'est quelqu'un qui est pas d'accord avec vos choix de vie. Bon, à vas-tu le dire, c'est vraiment ça. Il n'est pas d'accord avec vos choix de vie, puis ça vous remet en question un peu, parce que c'est quelqu'un d'expérience, et évidemment, si c'est un père, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité sur vous. Et j'ai l'impression que la personne avec qui je parle, c'est quelqu'un soit de très jeune dans l'âge terrestre, ou de très, avec une jeune âme, ou un, je ne veux pas dire immature, mais moins mature que la personne qui vous dit ça. Puis ça vous remet en question justement parce que vous dites, bon, c'est quelqu'un d'expérience, c'est quelqu'un qui a vécu plus longtemps que moi. Fait que comment ça se fait qu'on est tellement que sa vision des choses est tellement contre la mienne? Est-ce que je devrais changer comment je vois les choses? Bon, qu'est-ce qui s'en vient, ermite? Vous allez vraiment vous plonger dans un travail intérieur, vous plonger dans un travail de conscience, consciencieux, de voir d'où vous venez, pourquoi vous venez, comme pourquoi vous venez de là, pourquoi ça marche tellement pas avec cette personne-là. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, deux d'épée, puis ça, c'est le blocage, c'est l'obstacle. L'obstacle dans cette relation-là, il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Est-ce que c'est parce que vous manquez d'empathie envers cette personne-là? Est-ce que vous manquez de recul? Vous êtes trop près de la relation pour voir. Wow! Ah! Regardons ça. OK, les personnes qui sont avec vous, les guides qui sont avec vous, ah, c'est clair, il manque énormément d'énergie féminine. Il manque. Le regard féminin d'une mère, le regard nurturing, caring, le regard très qui fait. Ah, mon Dieu, ça a tout, c'est devenu voilà. Le regard très maternel, aimant, tout le contraire du roi d'épée. Ça vous prend vraiment. C'est comme si les guides qui étaient avec vous, le Pachamama, c'est une de mes cartes préférées. C'est vraiment la terre-mère. C'est vraiment tout ce qui est maman, tout ce qui est. C'est comme si la personne de qui on parle, nous deux, là, c'est quelqu'un qui, soit qu'ils se sont divorcés, puis vous avez
vu comment est-ce que ça marchait pas les deux ensemble, ou soit que c'est que littéralement votre mère était pas dans le portrait pantoute, puis il manquait cet aspect maternel-là, la lune. La lune, c'est tout ce qui est émotif, c'est tout ce qui est émotif, puis tu sais, c'est féminin, veut pas la lune. Upper World. C'est littéralement la roue, mais version Colette Baron Reed dans les Mystiques Chamans. Il faut passer par là. Il faut trouver votre voix, il faut trouver votre féminité. C'est peut-être ça aussi. Ça serait ça que la personne qui est dans votre vie vous dit « Non, non, mais arrête là, d'être tout le temps émotive. » Tu sais, genre, on entend le ton. Mes larmes ont le droit de couler. Tu sais, genre, c'est vraiment ça. Il faut vraiment que vous fassiez que vous alliez travailler sur vous en ermite pour aller chercher votre aspect féminin, parce que j'ai l'impression qu'il a toujours été renié à cause de cette personne-là. Ou vous le reniez à cause de cette personne-là, parce que vous ne voulez pas, c'est une figure autoritaire, c'est une figure que vous ne voulez pas déplaire. Là, on est à... Où est-ce qu'il vous amène? Encouragement, vous avez vraiment besoin d'aller chercher, soit de le chercher en vous, et peut-être en le cherchant en vous, c'est ça que vous allez attirer, comme une figure maternelle. Si vous n'avez pas dans votre entourage, faites-vous une amie. Une amie très witchy, très spirituelle, très, très en accès avec sa féminité pour vous encourager. Tu sais, on le voit, là. Tu sais, c'est comme un enfant qui a besoin de se faire prendre dans ses bras par sa mère. J'ai vraiment l'impression que c'est ça votre... Il y a beaucoup de cinq, en tout cas. Fait qu'il y a un changement, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive parce que vous êtes tanné, on va le dire. Et en faisant ce changement-là, ça, c'est comme un peu la tour, mais d'une manière cute. C'est comme si ça, c'était la tour, puis vous êtes en bas. Fait qu'il faut comme monter. Il faut comme le monter. Il y a un travail à faire. T'sais, l'ermite, là, c'est ça que ça dit, c'est qu'il y a un travail à faire. Fait que où est-ce qu'ils vous amènent, les guides? C'est qu'ils vous amènent à faire ce travail-là. Il faut le faire pour que vous sentiez mieux, parce qu'en ce moment, vous ne vous sentez pas bien. Si vous êtes, c'est comme si vous n'étiez pas votre propre personne, puis vous laissez un peu diriger, puis un peu dire quoi faire et quoi penser par, je vais l'appeler le père, là, parce que ça a l'air, c'est vraiment une figure maternelle, paternelle, on va tout le dire. Là, c'est quoi les énergies à embrasser? C'est quoi, quoi faire, comment se comporter et comment tout échapper? Ça, c'est le nouveau en passant de Colette Baron Reed qui est comme... Bon, je suis pas surprise. La roue de fortune. Hein? Tantôt que je le dis. Hein? La roue de fortune ici, bon, c'est de la chance, mais tu sais, des fois, c'est de la malchance. Mais dans ce cas-ci, c'est pas ça. C'est le bon timing. C'est comme si, dans cette vie-ci, vous allez vraiment vivre... Hey, c'est tout des cinq. C'est tout des... c'est comme si vous allez vivre un bon timing. La roue va tourner. Quand vous allez vraiment faire le travail sur vous, puis vous allez être capable de voir deux d'épée. Ça vous empêche de voir quelque chose. Quand vous allez comprendre pourquoi il est comme ça, d'où il vient, lui, puis pourquoi ça se répercute sur vous, puis est-ce que vous voulez changer ce pattern-là? Je pense que oui. Est-ce que vous voulez pas finir comme ça? Je pense que oui. Fait que c'est de prendre cette chance-là, de prendre d'embarquer sur la roue, puis d'aller le faire, le travail. Aller chercher de l'inspiration. Comme je dis, l'inspiration féminine. Aller développer quelque chose de féminin. Féminin, c'est tout ce qui est intuitif, tout ce qui est plus intérieur. Puis c'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est pas une affaire de genre, là. C'est pas ça du tout. Mais tout ce qui est masculin, c'est actif, décision, responsabilité. Féminin, c'est tout ce qui est intuition, émotion, prendre soin de soi, faire peut-être la musique, écouter de la musique, se trouver un hobby, se trouver un loisir, pour exprimer ça. Les possibilités sont endless. Il n'y a pas de limite aux possibilités qui peuvent arriver. Peut-être que même vous, en changeant, puis en changeant comment vous êtes avec cette personne-là, ça va le changer, lui, sans qu'il s'en rende compte. Oh! Le choix et leurs conséquences. Mm-hmm. Ah, deux épées. C'est un peu creepy, là. Là, j'avoue que c'est un peu... Ça résonne un peu. Je veux dire, c'est rien comparativement à ce que j'ai déjà vu, mais sérieux, deux d'épée. Le choix et ses conséquences. Faut regarder en pleine face, c'est quoi? Allez-y, il y a juste vous qui pouvez le faire. C'est pas lui qui va le faire pour vous. Hein.
Même le contraire, c'est peut-être quelque chose qu'il veut pas que vous voyez. Je vais juste le dire comme ça. J'espère que ça vous a aidé. Et maintenant, on va parler ta-ta-ta-ta, des 100 personnes abonnées. Hey, non, non. Un instant, là, c'est parce que je vois noir, puis à chaque fois, j'ai peur que ça arrive tout seul. 100 personnes abonnées. Donc, pour le concours, c'est super pas compliqué. Super pas compliqué pour participer. Faut être en passant, c'est pour gagner une séance privée avec moi. Le tirage se fait le 13 mai à midi, heure du Québec, 13 mai 2021. Il faut être abonné à la chaîne. Je vais vérifier. Il faut faire un petit like aux vidéos. Je vais vérifier. Il faut commenter. Commenter. Parce que je vais prendre tous les commentaires, puis c'est ça que je vais prendre pour mettre dans random.org. OK? Fait que si vous commentez pas, vous faites juste un like, vous êtes abonné, ça marchera pas. Il faut vraiment commenter. Si vous êtes capable de me dire d'où vous venez, le pays, parce que je suis hyper curieuse, s'il y a beaucoup de Québécois, s'il y a des Français, des Suisses, des Nigériens, whatever, je veux juste savoir d'où vous venez, je me pose des questions. Plus que vous avez de likes et de commentaires, plus vous avez de chances à gagner. C'est-à-dire que sur toutes les vidéos où vous me voyez avec mon beau petit drapeau homemade, vous avez juste à faire un like et à faire un commentaire. Si vous avez déjà écrit d'où vous venez, écrivez-le pas, faites juste dire allô, faites juste un commentaire pour que je puisse prendre la colonne puis le mettre dans random.org, sinon ça marchera pas. Donc, pour gagner une séance privée, le tirage se fait le 13 mai à midi, heure du Québec, 2021. Il faut être abonné à la chaîne, il faut faire un like du vidéo où est-ce que vous allez laisser un commentaire, et plus vous faites de likes et de commentaires sur les vidéos où on me voit avec le petit drapeau, sinon ça compte pas, il faut qu'on me voit avec le petit drapeau, plus vous avez de chances de gagner. Fait que je vais vous souhaiter une super chance et j'espère que vous allez passer une bonne journée.